côté vivent les plus riches et de l'autre les plus pauvres. Dans nos quartiers, nos mères ont le cœur serré lorsqu'elles quittent leur maison. Le message, c'est vraiment que notre parole est une arme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce concours... je me disais que j'allais jamais réussir, que je n'allais pas arriver jusqu'en finale, mais finalement, je ne regrette pas d'être restée. Et il faut vraiment aimer ce qu'on écrit. Et j'ai vidé mon sac. Moi, j'ai vraiment vidé mon sac. Je me suis dit, j'ai pris une citation qui me correspondait. Et à travers cette citation, j'ai vidé tout mon sac. Ce que j'ai envie de faire, changer le monde et réaliser mes rêves. Comment on peut changer le monde avec les paroles, les écrits? On ne peut pas réellement changer le monde en soi, mais on peut l'améliorer. C'est-à-dire que souvent, on ne parle pas, on se restreint, on n'a pas trop envie de s'exposer. Et moi, j'étais comme ça et je le suis encore un petit peu. Mais on ne se rend pas compte, mais notre parole a de la valeur. Il y a des gens qui ont besoin ou qui ont envie de nous écouter. Et retenez ça, votre parole a de la valeur et c'est une arme. La parole est une arme. Des mots que l'on se doit de faire vivre tous les jours. Des mots qui portent en eux l'espérance. L'espérance d'un monde meilleur. Oui, l'espérance d'un monde plus juste. Liberté, égalité, fraternité. Beaucoup de choses qui sont tristes. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des bons côtés, parce qu'on nous montre souvent le mauvais côté partout. Mais Mayotte aussi, c'est une île remplie de fleurs, qu'on appelle l'île aux parfums, remplie de bonnes choses. Il n'y a pas que le mauvais côté qu'on montre tout le temps, tel que La Réunion aussi. C'est une île remplie de diversité et c'est magnifique, c'est juste magnifique. Par exemple, quand j'étais en semaine de coaching et qu'il y avait tous ces jeunes-là d'océan indien, je me suis dit waouh, on est fort, quoi. On est capable de faire des choses. Quand on s'unit, on est capable de faire des choses. Deuxième chose, c'est félicitations pour ce thème. Et Montesquieu, qui est le fondateur finalement de l'esprit des lois, hein, de notre organisation du pouvoir démocratique, entre le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, disait « La loi, ce n'est pas ce qui est juste, c'est ce qui est juste qui doit devenir la loi. » Et en France, la République française, depuis la Révolution française, s'inspire d'un modèle démocratique, et le fondement de ce modèle, il fait le pari de l'intelligence collective et de l'intelligence des femmes et des hommes. C'est-à-dire que, avant, sous la monarchie, le roi était le représentant de Dieu. Et donc, la vie est plus simple, puisque les choses sont faites parce que Dieu l'a décidé. Dans le système démocratique français, c'est-à-dire Dieu, c'est personnel. La vie publique, c'est une organisation des gens qui la composent. La manière dont on est organisé, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. Qu'est-ce que nous décidons de faire ensemble? Et notre modèle, c'est d'élire des gens. Alors c'est sans doute, comme disent certains, c'est le pire des modèles, mais c'est le meilleur qu'on ait. On peut le contester, on peut le construire, et il faut essayer d'adhérer à des idées, s'engager bénévolement, s'engager syndicalement, s'engager politiquement. Si vous avez des convictions à défendre, il faut les faire partager. Et je rappelle que la violence, c'est la parole des faibles. Les mots ont plus de poids, et ce que vous dites par l'éloquence, hein, qu'une violence primaire. Déçu par les marchands de paroles, qui lors des élections, nos futurs élus sont les premiers à nous raconter des salades, avec de beaux discours, à nous promettre monts et merveilles, oui, à nous remplir d'espoir. Mais au final, où vont donc toutes ces promesses? Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, Média Réunionnais Indépendant, partagez-la.
Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallelesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.